Evan, en fait, Evan a émis le souhait de revenir nager sur la terre de ses parents, ses racines, en Ancêtre, fait. ouais. Evan, il va nous expliquer pourquoi. Pourquoi tu as eu ce Non, mais besoin de... j'ai C'est toujours le eu envie. journaliste qui parle, hein. Ouais. Enfin, en fait, j'ai toujours eu envie de venir ici tout court, que ce soit en vacances, pour la famille, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un camp de basket. Je sais que le C'est un foot. projet. Ouais, ça a toujours été un projet. Et je sais que C'est le votre foot. maman qui parlait des origines? Oui, Pas bah non, mais particulièrement. enfin, disons que je vois bien que ma mère est algérienne. Quand j'allais chez mes grands-parents, je m'appelais Mehdi, je m'appelais pas Evan. On parlait arabe, donc voilà, je me suis toujours senti algérien. Je sais que je suis français, je suis né en France, j'ai grandi Ouais, là-bas, c'est clair. mais voilà, ça fait partie de mon sang. Comme on le disait tout à l'heure, il y a des souvenirs qui remontent et qui surgissent. Et bien sûr, il y a toujours des senteurs, des C'est couleurs, vrai, c'est des vrai. émotions Ouais, aussi. c'est vrai, beaucoup d'émotions, surtout par rapport au niveau de l'accueil. Très très bel accueil, vraiment, ça fait chaud au cœur. Et donc voilà, pour continuer, donc j'ai toujours eu envie de venir ici faire un stage de basket. Donc on a décidé de faire ça, tout Ouais. simplement, et ça On se vous passe. voilà. En action. Ah ouais, c'est La vrai. rage, ça c'était parce que vous avez marqué ou parce que vous étiez énervé? Là, j'étais plutôt énervé là.